Bonjour et bienvenue sur le site J'apprends de la maison. Alors, notre site est destiné aux élèves du primaire, du secondaire et aux adultes, donc de la FGA. Notre but est d'initier à la programmation par bloc et de permettre la création de programmes qui permettent donc la créativité. Les parents trouveront aussi une section dans l'onglet Information pour les aider à accompagner leur enfant. On va faire le tour ensemble des différents onglets. Dans l'onglet Accueil, vous pourrez trouver deux blocs, donc les blocs Bienvenue à toi, qui permettront d'apprendre les bases de la programmation et aussi d'avoir les ressources pour nous partager tes productions. Dans la section Par où commencer, on aura aussi différents outils pour apprendre à programmer. Donc, nous souhaitons que vous appreniez soit avec la plateforme Scratch Junior, Scratch ou bien Snap pour les adultes, mais pour apprendre la base de la programmation, nous allons vous suggérer d'aller vers les jeux Blockly ou le site de code.org, dont nous avons ciblé quelques exercices, entre autres pour les élèves qui sont des non-lecteurs, donc pour nos plus jeunes élèves. Par la suite, vous pourrez voir dans la section du primaire les trois cycles du primaire. Alors, on se dirigera directement vers les boîtes de premier, deuxième et troisième cycle. Dans chacune de ces boîtes, vous trouverez en réalité la présentation de la plateforme, donc plusieurs tutoriels pour vous aider, les liens pour aller directement vers ces sites-là et surtout des idées de premiers défis pour vous initier aux différentes fonctions. Par la suite, bien, on va vous proposer de faire différents projets selon votre niveau, selon votre créativité, selon vos besoins et votre goût de création. On aura un peu la même chose au niveau du secondaire, donc des boîtes de présentation, cette fois-ci bien sûr avec le logiciel Scratch. Alors différentes façons d'apprendre à programmer, différents outils. Donc en plus de Scratch, vous pourrez retrouver entre autres Blockscad. Alors différents outils et notre idée, c'est vraiment de vous amener à partager différents projets de création. Finalement, pour les gens de la FGA, vous aurez le choix, évidemment, de travailler avec Snap, qui est une version un peu différente, mais qui est aussi la programmation par bloc. Donc, une belle initiation par rapport à ça. Dans la section Information, vous trouverez des informations pour les parents. Donc, pourquoi programmer, comment accompagner votre enfant, quelques idées. Vous pourrez aussi avoir dans cette section-là, comment faire pour nous rejoindre sur la page du récit MST pour Maths, Sciences, Technologies 2020. Et un peu plus d'informations à propos de qui nous sommes. Alors, suite à votre expérimentation, on vous invite à partager vos productions, poser vos questions, commenter de façon constructive les projets des autres qui viendront les déposer sur la page de Facebook. Le récit, donc, du domaine de la mathématique, de la science et de la technologie supporte cette plateforme qui est toute nouvelle et on vous souhaite beaucoup d'heures de découverte, de création à partir des informations. Et il faut penser que notre site est évolutif. Donc, dans les prochaines semaines, vous aurez de nouveaux outils, vous aurez surtout de nouvelles propositions de projets. Alors, on vous souhaite de belles heures de programmation.